Quand on prend son abonnement à Cinéville, c'est la carte qui permet de se rendre dans toutes les salles d'arrêt essai de Bruxelles sans se poser de questions sur est-ce que le film que je veux aller voir se joue bien dans le cinéma dans lequel j'ai ma carte de fidélité ou j'ai mes habitudes. Non, c'est vraiment je prends le film et je vois la séance qui m'intéresse le plus, que ce soit dans le haut de Bruxelles ou dans le bas, sur la place Flaget ou à la cinémathèque dans lequel je peux me rendre. Le pass Cinéville, c'est aussi appartenir à une communauté de cinévilleurs, donc ça c'est quelque chose qu'on a pour ambition de pouvoir développer au maximum, que ce soit à travers l'éditorialisation autour des films qui sont projetés dans les cinémas coopérants, autour des événements qui sont faits dans ces différentes salles. Le prix est attractif et je pense vraiment que ça répond à une habitude de consommation tout simplement de cette tranche d'âge qui a maintenant vraiment l'habitude des abonnements. Au départ c'était vraiment le Kinographe, Galerie, Palace et Vendôme. Donc ça a vraiment été les quatre cinémas qui ont lancé le pass alors fin juin, tout début juillet. Et se sont rajoutés, dès le mois de septembre, l'Aventure, le Cinéma Nova et puis à la date du 1er décembre, la Cinémathèque. On est presque au complet au niveau des salles présentes à Bruxelles d'exploitation. Et là, les contacts ont été entamés déjà avec les cinémas en Wallonie. Bien sûr, on envisagerait des partenariats qui puissent se faire à Liège, à Namur, à Mons, à Charleroi. On a déjà lancé les contacts avec les cinémas flamands. La première subvention a été celle d'Europa Cinéma sur la ligne Collaborate to Innovate. La région, Bruxelles-Capitale, a été très soutenante. Donc on a pu obtenir un financement de l'image de Bruxelles et un financement aussi de la COCOF, et y compris de la Fédération Wallonie-Bruxelles avec le Centre du cinéma et de l'audiovisuel qui a pu venir compléter le budget de lancement. On a des expériences incroyables de certaines personnes dès le lancement du pass qui se sont rendus mais quatre fois au cinéma tous les jours, donc pendant tous les mois d'été, donc c'était incroyable. On s'est bien dit voilà, ça va forcément entraîner un engouement cinéphile qui va sûrement alors entraîner pourquoi pas de pouvoir agrandir un réseau de cinéma exploitants sur Bruxelles peut-être dans le futur. C'est quelque chose auquel on n'y croyait pas vraiment, on n'y croyait plus à un certain moment, à laquelle on peut recommencer à croire.